Hello tout le monde, c'est Jepacor et bienvenue dans le cinquième épisode de Torna The Golden Country. On est à même pas 2 heures dans le jeu et nous avons trouvé le village de Torregoth rasé et la mère de Nora morte. Donc, on va continuer et en espérant que même si on sait que ce jeu sera plus sombre que le premier, que jeu de base, on n'aura pas trop d'atrocités dans le jour. Bon, ah oui, c'est pas le village de Torregoth et c'est pas les points de collecte qu'il faut pour décorer. Oups. Waouh. Eh ben. Surround them. What? Le retour des soldats Redanian. Imperial Guard. Thieving scum. Don't think you're gonna get away with your dirty deeds. What? No! We just. Problem, Captain? Hey, Brigade is back, yeah! Pourquoi son design a un peu changé dans ses vêtements? Ah, il a quelque chose. Son arme est différente. Ah merci, je préfère fight une seule personne. Mais c'est pas des fouets, c'est des épées. Enfin, c'est des fouets épées qu'elle a, Morag. Donc ça se trouve, c'est la même arme, mais. J'ai l'impression qu'elle est maniée différemment. Et aussi, elle a ces trucs qui est autour d'elle. On va viser ça déjà. Mon dieu, on fait tellement de dégâts. Nice, on peut avoir les combos, nickel. Lancer un art spécial sur un ennemi initié à combo d'âme. Ces combos sont en 3 coups qui doivent être portés dans un ordre prédéfini. Premier coup nécessite un art de niveau 1, deuxième niveau 2, dernier niveau 3. Vous pouvez enchaîner les arts spéciaux de l'âme de plusieurs équipes. Dans ce cas, une demande de combo apparaît pour que vous puissiez donner l'ordre. Vous pouvez utiliser les arts spéciaux de n'importe quel élément tant que vous respectez les niveaux requis. Donc pas comme dans le jeu de base. Mais il existe des combos critiques, et les combos critiques sont au nombre de 16 et demandent d'effectuer certains éléments dans un ordre précis, comme feu, feu, lumière. Donc ça c'est les combos du premier jeu, d'accord, et on peut exécuter les autres combos maintenant, nice. Terminer un combo critique déclenche une animation spéciale et occasionne des dégâts supplémentaires. A vous de trouver les 15 autres combinaisons. Bah en fait c'est les combinaisons de jeu, donc on va en faire une. Il me semble que ça, et si on fait photo 3, non, ah non, c'est photo 3, c'est pas critique. J'ai chute, nice. Ah si, horreur, donc c'est d'accord, c'est il faut finir par... Bon, on n'aura pas le temps, mais si on finit par froid, très bien. Donc va falloir les apprendre par cœur. Il a l'air mieux que l'aventure normale. Niveau gameplay, il est mieux. Niveau gameplay, je pense que le fait d'avoir des lames fixes, plutôt que d'avoir des trucs aléatoires, il est mieux au niveau gameplay. Et le combat, le système de combat est amélioré. Not done with you.
qu'elle a le même arme que dans le jeu passe. Cheap, you say? Don't be absurd. It's called tactics, look it up. But perhaps that's something a simpleton like yourself could never hope to comprehend. A simpleton? Mifra se fait insulter par tout le monde, le DLC. Clumsy, heavy, no refinement. I was gonna go easy on you, but now... Now you have pissed me off! Non, non, non. Elle va sortir Sion. What? Mifra, calme-toi. If that had actually hit me. Oh, didn't like that, did you? I can see it on your face. Well, on that note. Mifra, what? Peace. Understood. Ordered you to stop, or didn't you hear him, simpleton? God. How extraordinary. I'd heard of a blade with the power to restrain others, but I never thought. And did she say Adam? It can't be. All of you, lay down your arms. There is no need for this. Merci Hugo. Hello. It's good to see you again, Prince Adam. Please forgive the actions of my guards. Don't you worry about it. I am just glad to see you well, Your Imperial Majesty. Imperial Majesty? May I introduce? The Emperor of Mor Ardain, Hugo Ardenach. The Ardanian Emperor? What's someone of his station doing out here? You know, our stations are fairly similar. Not that you'd ever know. Thanks, I try. I've come for the Aegis. Its actions have been felt in Mor Ardain as well. We're currently chasing it down. The same as us, then. But coming here yourself? My brother is ruling in my absence. I see. And so you brought Brigid and Aegeon. Huh? Those two are the crown jewels of the Ardanian forces. C'est pas le frère de Morak, vu que le jeu c'est 500 ans avant le jeu principal. Donc c'est un ancêtre lointain, mais je dis pas qu'il y a une ressemblance. To have been my older brother. But he didn't have the potential to become a driver. Oh. And now here you are, bonded with both of them. The Special Inquisitor is under my brother's direct command. Oh. Should I fall in battle, he has his orders to retrieve the core crystals. That sounds cold. That's how it goes with matters of state. And yet,
it works out well for me. I have always wanted to put myself on the line for our people. And I never enjoyed wielding authority in the first place. I feel the same way. I don't get why anyone would want to sit on a throne. Yes, that. If Prince Zetar knew, there would be consequences. Let's pretend you didn't hear me say that. You two will never see eye to eye. Better to leave well enough alone. Ruling is, frankly, it's a scary thought. Just imagine becoming someone you don't recognize. Never knowing who's looking back at you in the mirror. Prince Adam, I'd be happy if you called me Hugo, like old times. I will, dear Hugo, but only if you call me Adam in return. Well, it would be beneficial to share our findings, but perhaps elsewhere might be better. How about Your Majesty's flagship? Indeed. Flagship? Is something the matter, Lady Laura? I'm just not very good in that kind of stuffy environment. Well, you're not alone there. That's the worst. Right? I think I'll sit this particular venture out. Yeah, I'm out too. Oh, no, you don't. Wait a minute. Is that her? Yes, this is Mithra, one of the Aegises. Your account would be valuable as well, Laura. Everything I've seen or heard, Jin will know as well. Yes, that's true. Please, would you go instead of me, please? Of course. I will do as you wish. Thank you kindly. Well then, shall we? Ah, plus de voix à faire. Bon. Bien, je crois que nous pouvons y aller. Alors lui, ah oui, c'est vrai que lui... Ah, il va avoir un rôle maintenant. J'avais oublié. Dans l'histoire principale, il n'y a pas de rôle. Votre Majesté, je ne voudrais pas vous paraître impudent, mais est-ce bien sage de rentrer sans avoir examiné les lieux? Vous avez raison, mais... Allez, Jean, vous avez entendu Sa Majesté. Comprenez ce point de vue. Il souhaite passer du temps avec le prince Adam, qui lui est si cher. N'est-ce pas une raison suffisante? Je suis honoré de savoir que vous me tenez en si haute estime. C'est Hugo de prendre cette décision. Dites-nous, est-ce que nous gênerions votre mission? Non, pas le moins du monde. En réalité, je pense que vous êtes impliqué dans cette histoire tout autant que nous. Après tout, Daegis vous accompagne. Faut-nous comprendre que votre mission concerne Malos? Exactement. Allez, John? Ah, oui. Par décret officiel, permettez-moi de vous dévoiler la nature de notre mission. En apparence, Moradin travaille à apaiser les tensions diplomatiques avec Coesia. Mais dans le même temps, nous poursuivons un autre objectif, aller éteindre la lampe que j'ai laissée allumée dans la cuisine. Malos, donc. Et que comptez-vous faire? Le neutraliser? Le capturer? Rien, pour le moment. Sa Majesté souhaite s'assurer des attentions de ce Malos, ainsi que de quiconque menaçant notre empire. Avez-vous appris quoi que ce soit? Ses intentions, mec, c'est de tout détruire. C'est aussi simple que ça, je t'arrête tout de suite. Il n'y a plus le système où on invoque les lames? Non! C'est des lames fixées. C'est seulement les... Il va y avoir une sixième lame, mais les cinq lames qu'on a là, donc Brigide, Aijon, Mifra, Aze, Jin, plus une sixième qui va venir plus tard. Et je pense que c'est mieux au niveau gameplay. La quatrième d'écurie a fait son rapport alors que nous nous dirigeons vers Torigov. Après, le système de Xenoblade 2 est bien, mais genre, juste pour avoir quelque chose de mieux balancé au niveau du gameplay. Aussi, il a l'air d'avoir pas mal de challenges, notamment pour le heal, alors que dans Xenoblade 2, le jeu de base,
il y a des stratégies totalement abusées, donc ça a l'air mieux. Et j'aime beaucoup aussi le système de switch, notamment pour les combos de pilotes, vachement bien. Ils ont découvert une zone de terre entièrement brûlée par une puissance colossale. Je ne crois pas qu'Adam puisse fermer les yeux pour ça. Tu es dans les pensées. Hugo, j'aime beaucoup me remémorer le passé devant un mer de nuages, mais si c'est possible, j'aimerais aller voir ça. Bien sûr. Si vous voulez, nous pouvons y faire un détour avant de revenir au vaisseau. Je tiens quand même à fleurir les tombes, alors je vous attendrai au village. Tout se passera bien, allez-y avec moi. Oui, compte sur moi. Très bien. Peut-être que c'est aussi bien qu'elle ne voit pas l'étendue des dégâts causés par Malos. Vous dites que la quatrième des curés a découvert un nouvel endroit ravagé par Malos? Où se trouve-t-il? Sur la colline Valafum, en allant vers l'intérieur des terres depuis les grandes plaines d'Ordia. Mais si nous voulons en savoir plus, j'ai bien peur que nous n'ayons d'autre choix que de nous rendre sur place. D'ici, cet endroit est encore plus près que le port. En effet, nous ferions mieux d'aller voir ça de plus près. Que diriez-vous de nous conter de vos récentes aventures sur la route, mon cher Adam? C'est parti. Ugh, we're such saps. Bifra, mon dieu. Et on a, d'accord, on a juste Jean. Donc en gros, ça veut dire joue quelqu'un d'autre. J'ai combien repris? Très bien, on va jouer Hugo. Vous pouvez maintenant modifier l'ordre des équipes, ce que je viens de faire. Si vous contrôlez une autre équipe que celle de Laura, vous ne pourrez lancer que des arts spéciaux de niveau 3 maximum, mais les arts spéciaux niveau 4 seraient réservés à ceux qu'on contrôle, oui. Cependant, qui sait si cela ne changera pas un jour? Peut-être bien qu'Adam et Hugo apprendront à copier cette technique développée par Laura. Ah non, il n'y a que Laura qui peut faire un niveau 4 pour moi. Très bien. Genre Laura a toutes les techniques de fou. Stage de survie. Ok, donc c'est un tank, donc. Grant me the wisdom to lead ever better. Et je veux également la dextérité. Quoi d'autre? With this power, the way is clear. The culmination of years of sovereignty. C'est la référence à Years of Training de Morag. I shall aim ever higher. With this power, the way is clear. Il a l'air pas mal en tank. Ça. Et Adam aura celui-là. Voilà. Je pense que ce sera mieux comme ça. Augmenter la chance, pourquoi pas. Oh, il n'y a personne qui a la ceinture de force, soit. Adam devrait l'avoir. Ok, ah oui. Bon, bref. On va renforcer les arts des lames aussi. Peut-être modifier les armes. Non, c'est bon. Le sogram, ça va être la même chose, je pense. Même chose, même chose, même chose. Même chose, même chose, même chose, ok. Renforcer les arts, est-ce que c'est les mêmes? Strength can't be earned through sheer force. Ça a l'air d'être globalement la même chose. Ah non, il n'y a pas d'évasion. Oh! Oh oh! Ça, c'est pas cool. C'est vrai que c'est excellent, mais il n'y a aucun healer et c'est embêtant. Après, je préfère quand on peut incarner les lames, ce que je trouve génial. Bah, il n'y a aucun healer. En fait, heal, c'est quand on fait tomber, ça fait des potions. C'est vraiment ça, parce que c'est plus simple de faire tomber, il y a beaucoup plus de déséquilibre avec les arts d'échange et tout. Je pense que c'est comme ça qu'il faut heal. Et également, on peut heal en switch.
strength can't be earned through sheer force. My technique has improved. My technique has improved. Voilà, lui il a un truc pour esquiver, très bien. My technique has improved. Ça c'est juste parce que c'est la première fois que j'ai un perso. Hein. Donc forcément, bonjour Laura, on peut te parler. Je ne supporte pas ce genre d'endroit. Tu veux bien prendre ma place, Jean? Oui. Pas sur ce bateau. Pas encore. On va la laisser faire son deuil. Niveau 28, non. On va éviter. J'aurais pas dû descendre par là, mais c'est pas grave. Ok, c'est parti. T'as mis le jeu en facile ou en normal, normal. Il. Pourquoi il a il avec défense optimisée aussi? Bah après, 3 lames, 2 lames ça suffit, et il y a aussi le fait que ce soit Hugo et Laura, d'un point de vue canon, Laura a 2 lames, et Morag a les 2 lames de l'Empire, et c'est facile pour Hugo d'avoir les mêmes. Je pense que c'est ça. Elle est partie dans un délire, Mifra, genre... Ouais, j'ai imaginé Hugo avec des chiens, ça a l'air pas mal. Ce heal avec le switch, là tu vois, j'avais ça sur point de vie quand j'ai heal toute ma vie en rouge quand j'ai switch. Des dégâts de... Oh punaise, j'avais pas vu ma vie. J'étais trop occupé par DPS. Du coup j'ai plus d'aggro alors que je suis tank, c'est pas top mais bon.
Et je vais me heal. Merci. C'est vraiment le nombre d'ennemis qui est gênant, c'est pas les un ennemi en particulier. Je prends l'aggro, j'ai toujours l'aggro donc je peux me heal et je suis en défense donc c'est nice. Les chutes et éjections et commotions, c'est hyper galère, du coup, bah ça dépend. Là, je dis pas, vu que j'ai plus l'aura, c'est un peu gênant de faire tomber. Mais quand j'ai l'aura, il n'y a pas de problème en vrai. Après, c'est sûr que c'est plus technique. Oui, ce que je voulais faire aussi. Tac. Toi, j'adore la musique autant. Hein. Vraiment. Plus entendre les voix. Et on va monter les voix de la cinématique aussi, même si ça affecte pas les voix. Contrairement à ce que ça dit, ça affecte tout le volume des cinématiques, y compris la musique. Et la musique est toujours trop forte pour la cinématique, c'est dommage, mais bon. Des saves automatiques, ouais, on a des saves automatiques, nice. Après les chutes, éjection et commotion, bah, commotion fait pas mal de dégâts. Et là, ça sert beaucoup plus en plus, parce qu'il donne des heals de ouf, éjection et commotion. Alors, éjection, ça heal quoi, 30% de ta vie peut-être, et commotion 50%. Donc c'est vraiment vachement utile. Faut que je monte, on dirait. 38, ok. Je peux pas monter par là. Je pense qu'il faut juste continuer par là. Je sais pas. Ou alors... Ouais, il faut peut-être monter là. They've spotted us. Bye. C'est pas là qu'il faut aller, non? Non, peut-être. Bon, dans tous les cas, il y a un trésor ici. Et j'aimerais bien perdre l'aggro. Merci. Ok, donc là, c'est plus vers le bas maintenant. Très bien. Tu fais les modos ou pas? J'ai pas encore fait. Pour le moment, pas besoin. Perhaps we should beat a hasty retreat. This welcome party is a little rough for my tastes. Il y a trop de monde, je vais pas faire le fight. Juste me barrer. J'aimerais bien voir c'est par où la suite, parce que je suis un peu paumé. Ok. Isn't this fun? Perhaps we should beat a hasty retreat. They've spotted us. Préviens-moi pour les modos, je vais aller. Je l'ai vu souvent sur Twitch déjà et j'ai pas de modos donc. J'ai l'impression de tourner en rond. Il y a quand là-bas, ça peut être intéressant. Ok, on est mort. Ouais. Still fight. We're not done yet. We must consider our options carefully. On a respawn super loin. Whoops.
I've always wanted to do this. Ah, j'aurais pu me TP, je pense. Déjà, on va regarder sur la map où c'est. Ah oui, je vois. Eh ben, bon appétit, et ouais, je serai probablement encore là. Qu'il faut monter, il doit y avoir un accès quelque part quand on monte, d'après un minimap en tout cas. Ah non, ok. Faut qu'on contourne à la droite, très bien. Très bien. Oups, j'étais un peu paumé. J'aurais dû ouvrir un minimap plus tôt, mais c'est pas grave. I've always wanted to do this. Une barre à la fonte, parfait. Et oh, bah voilà. Voilà ce qu'on cherche. Alors, dites-moi, avez-vous pu trouver ce fameux titan inhabité? Oui, nous avons pu trouver sans encombre. La carte, la barre du barde, la légende du vieillard, tout était vrai. J'aurais préféré que tu m'éveilles avant de vivre toutes ces aventures. Moi aussi, mais à l'époque j'étais loin de me douter que j'étais capable de devenir un pilote d'Anna Aegis. Et je me doutais encore moins que j'aurais un jour une âme aussi avide d'aventures. C'est toujours mieux que s'ennuyer, non? Waouh. Sûr que quand on a découvert ce titan, on n'a pas eu le temps de s'ennuyer. Les locaux n'étaient pas vraiment ravis de nous voir arriver chez eux. Les locaux? Mais vous disiez que ce titan était inhabité. Pour être précis, il n'était habité par aucun être humain. Par contre, il grouillait d'arachnis, de fourmix et de stick. Oh super! C'était aussi de très gros spécimens. Ils devaient nous voir comme des proies extrêmement appétissantes. Maintenant que j'y pense, nous avons quand même eu de la chance de nous en être tirés sains et saufs. Tout est bien qui finit bien. Cependant... Vous n'avez donc pas pu réaliser votre rêve d'y bâtir une résidence secondaire. Quel dommage. Oui, enfin, c'était pas mon but premier. Je n'ai peut-être pas rien gagné sur le plan matériel, mais j'en ai tiré une grande expérience. Malheureusement, je peux pas en dire autant pour les habitants de ce titan. Comment ça? L'endroit était un paradis pour les insectes, mais j'ai appris plus tard qu'ils avaient tous été exterminés. Les humains sont parfois bien cruels. Ce qui est fait est fait. Le monde était en guerre et il fallait trouver un endroit où loger et réfugier. Mais les bêtes sauvages ne pouvaient pas comprendre ça. Elles n'y ont rien vu qu'une invasion de leur territoire. Bah, c'est ce que c'était. Ah, entendre ça me fend le cœur. Votre Majesté, pardonnez mon interruption, mais nous arrivons à destination. C'est bien parce que je suis venu de l'autre côté, mais c'est pas grave. Ah, déjà ? Grâce au récit d'Adam, je n'ai pas du tout vu le temps passer. Je suis honoré d'avoir pu chasser de votre esprit ne serait-ce qu'un instant les soucis de votre rang. Vous en prie, chère Adam. Mon rang n'est pas supérieur au vôtre, vous le savez fort bien. Hugo, mon vieil ami, je n'en suis pas si sûr. Et dis-moi, Mifra,
J'aimerais savoir ce que tu penses de ça en tant qu'Aegis. Désolé de vous décevoir, mais ce n'est pas l'œuvre de Malos. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Si Malos était passé par là, le sol aurait été vitrifié. Mais là, seule l'herbe a été carbonisée. C'est une excellente déduction. Je suis heureux de vous avoir à mes côtés. Je vous présente mes excuses pour cette perte de temps. Allons, Aegon. Nous n'aurions jamais pu savoir de quoi il en retournait sans avoir mené l'enquête. De plus, chaque piste que nous écartons nous rapproche un peu plus de celle qui nous mènera à Malos. Là-bas, regardez. Oh, boss time. C'est un gros spécimen, nous devons le maîtriser. C'est parti. They've spotted us. Look out. Yeah, my thanks. C'est quoi cette animation? Round cutter. It's all back. Shield bash. Star slash. Low down. Shield rondo. How about this? Snow blast. Come flames. Ça, j'ai pas été assez rapide pour faire une éjection, malheureusement. Parce que je savais pas que j'avais la possibilité hein, comme ça. Et j'ai même pas pu faire un niveau 2 du combo, c'est déjà fini. Il meurt tellement vite. Un monstre cracheur de feu. Heureusement qu'Aegon était avec nous. On risque de paraître présomptueux. J'ai déjà connu pire. Je crois qu'on peut dire sans se tromper qu'il est à l'origine des traces de carbonisation. Je n'aurais jamais cru qu'un tel monstre pourrait se trouver si près de Torigoth. Il a peut-être été chassé de son territoire par un congénère. Ce sont des choses qui arrivent. Ouais, ou alors c'est comme dans ton histoire. Ce sont des humains qui ont détruit son habitat. Nous les considérons comme des monstres, mais pour eux, ce sont nous les monstres. Je le crains, en effet. Le jour viendra sans doute où même les titans seront en danger à cause des humains. Peut-être que ce jour est déjà plus proche que ce que nous pensons. Effectivement.